Yo, salut à tous, c'est Locan pour locan.fr et il y a un truc dont on n'a pas parlé au moment de la présentation des iPhone 7, même moi au moment du déballage, c'est le fait que la caméra de façade passe, la caméra FaceTime donc, passe, le café est prêt, juste ici, là. C'est que la caméra de façade passe en 1080p au lieu de 720p et ça c'est top moumoute, ça fait que je peux tourner des vidéos avec l'iPhone. Et ça risque de changer beaucoup de choses, puisque dans la situation où je suis là, avec la GoPro, ça serait peut-être pas top. Et c'est surtout que ça déforme moins. Je suis très fan. J'attends de voir ce que ça peut donner en extérieur, etc. Mais potentiellement, ça me libère de pas mal de trucs. La question con du moment, c'est les gens qui commentent sur Facebook, Twitter, etc. et qui s'étonnent de ne pas avoir de réponse. Alors qu'ils commentent un article, évidemment. Le dernier article en cours, là, il y a un mec sur Facebook qui me pose une question sur macOS Sierra, mes avis sur les différents OS, etc. C'est bien, c'est cool de poser des questions et j'aime bien y répondre. Vous pouvez en attester dans tous les commentaires du site. Par contre, je ne peux pas être partout. Donc si vous posez votre question sur Facebook, sur la page locan.fr Facebook, sur Twitter, sur le compte Twitter de locan.fr, j'y vais jamais au passage. La page Facebook, c'est très rare. Si vous posez vos questions sur Instagram, encore pire. J'ai même désinstallé l'application. Si vous. Enfin, j'en sais rien. Vous pouvez poser vos questions partout, mais le seul endroit où vous êtes à peu près assuré d'avoir une réponse si votre question n'est pas trop conne, c'est dans l'article lui-même. C'est pour ça qu'il y a une page commentaire et voilà, c'est pour ça qu'il y a une page commentaire tout simplement. Donc si vous avez des questions à poser sur les articles, vous venez dans la putain de page commentaire et vous commentez dans la page commentaire. Ça serait quand même super cool. Comme ça, tout le monde réagit au même endroit, etc. Tout le monde peut lire les questions et les réponses des autres. Ça crée une dynamique, etc. On s'amuse bien dans les commentaires. De toute façon, les gros cons sont bloqués. Il n'y a que des commentaires de qualité sur le site. Les mecs qui viennent pour faire chier, etc. Dans tous les cas, je valide le commentaire et j'y réponds au moment de la validation. Donc si vous voyez le commentaire en attente, c'est normal. C'est juste que je suis en train de faire autre chose de ma vie que de rester devant l'écran à faire des commentaires pour rafraîchir la page. Mais une fois que j'ai vu votre commentaire, s'il est juste pas con, en fait, il n'y a même pas besoin qu'il soit pertinent. S'il est juste pas con, s'il n'est pas insultant, ben, votre commentaire passe. Et s'il mérite une réponse ou quoi, ou si la réponse n'est pas dans l'article, puisque je commence à en avoir un peu marre de répéter les réponses que j'ai déjà mises dans les articles, eh bien j'y réponds tout simplement. Donc lâchez-vous dans les commentaires des articles. Voilà, ça fait 2 minutes 30, il n'y a pas besoin de plus pour vous dire ça. Les commentaires, si vous voulez commenter, commentez dans les commentaires. Voilà. Si vous commentez, commentez dans les commentaires. Répétez-le, vous me le ferez sans ligne. Si je commente, je commente dans les commentaires. Si je commente, je commente dans les commentaires. Si je commente, je commente dans les commentaires. Et pas sur Facebook, Twitter, etc. Alors c'est cool de partager, par contre, sur Facebook, Twitter, etc. J'ai remarqué que depuis 6 mois, vous êtes sacrément mou sur les partages. Il y a vachement moins de partages alors qu'il n'y a jamais eu autant d'articles de qualité sur le site que maintenant. Donc quand vous voyez un article, partagez-le, Facebook, Twitter, etc. Si vous l'avez trouvé cool. Eh bien, partagez-le à des gens que ça peut intéresser. L'idée, c'est quand je fais des tutos, des tests, etc., c'est que ça puisse aider des gens. Moi, je m'en fous d'être connu ou je suis pas comme tous ces blaireaux qui font tout ce qu'ils peuvent pour gagner de la thune et être connu sur Internet. J'en ai rien à branler. Je veux juste aider un maximum de gens. Donc, partagez des articles. Et puis voilà, je vous fais des bisous et commentez si je commente, je commente dans les commentaires. Si je commente, je commente dans les commentaires.